Merci, cher monsieur Venet, d'avoir accepté de partager votre vision sur ce qui vous a amené à créer votre fondation. Nous avons conscience du privilège de pouvoir échanger avec l'artiste qui a créé chacune des ponctuations de ce parc, mais aussi avec celui qui les a mises en scène. On est donc poussé, avec cette curiosité qui est la nôtre, à vous interroger et relever très rapidement, puisque vous avez une œuvre tellement grande et tellement complexe et tellement qui a parcouru à la fois le monde et qui ponctue aussi le monde d'ailleurs. Je ne parle même pas du château de Versailles, qui est une des ponctuations. Il y a ce parcours très singulier d'artiste. Et surtout cet artiste qui un jour, lui-même qui a commencé en France, dans le sud de la France, qui était du côté de Nice et de l'effervescence, puisque c'est quand même l'école de Nice, et juste un peu après, est parti avec son courage et $150 à New York, dans cette scène qui allait surgir. Pourriez-vous nous parler simplement de votre désir de quitter ce sud, où on est à nouveau d'ailleurs, dans une sorte de retour, et vous êtes parti vers New York. Qu'est-ce que vous vouliez trouver à New York et qu'est-ce qui vous tendait vers cela? D'abord, quand on part, vous savez, je suis un émigré typique. En fait, c'est parce que je mourais de faim ici, c'est tout. Je faisais des œuvres d'art que personne n'appréciait. Des tableaux qui étaient entièrement recouverts de goudron, ou alors des tableaux qui étaient faits avec des cartons d'emballage, le genre de choses que les gens ne veulent pas mettre dans leur chambre à coucher, disons-le comme ça. Et à une époque où le nouveau réalisme des artistes comme Yves Klein, Armand, Reiss, Evie Le Glay et tous les autres prenait le dessus de la scène, moi, avec un travail qui restait encore abstrait, même s'il était déjà minimaliste avant l'heure, n'était pas du tout le genre de choses que les gens voulaient regarder. Donc, j'avais quelques difficultés, c'est le minimum qu'on puisse dire, quelques difficultés à survivre. Et heureusement, je suis devenu ami avec Armand très très tôt, j'avais 22 ans, et c'est lui qui un jour, tandis que lui faisait des expositions aux États-Unis, à Los Angeles, à New York et partout, et qu'il me parlait de tous les points formidables des États-Unis, je me mettais à rêver, bien entendu, de partir là-bas, mais je n'avais pas les moyens, jusqu'au jour où Armand m'a offert une œuvre en me disant, voilà, tu peux la vendre et tu peux partir. Ça m'a pris quelques temps, parce qu'au départ, je ne voulais pas la vendre, bien entendu, mais je n'avais pas d'autre solution, et au bout de 6 mois, je lui ai dit, écoute Armand, je partirai volontiers. Et il m'a encouragé à aller là-bas, mais à me battre. Écoutez, voilà, je suis parti il y a donc 52 ans et j'y suis toujours, en fait. Hein. Les raisons étaient multiples, vous savez. C'est sûr qu'il fallait... on est dans le petit village, Nice était un village à côté de New York, même si on avait le privilège d'avoir ce qu'on appelle l'école de Nice, des artistes quand même qui étaient intéressants, Ben, Reiss et tous les autres, d'autres plus jeunes qui sont moins connus, mais quand même New York c'était le grand endroit. Et quand je suis arrivé là-bas avec mes $150 comme vous dites, et ne parlant pas l'anglais, et ne sachant pas le premier soir où j'allais dormir, je n'avais aucune idée, je n'avais aucune adresse avec moi. Heureusement, quelqu'un dans la m'a dit que je pouvais aller dormir dans au YMCA, voyez un peu. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai passé 3 semaines là, et puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça a été formidable, parce que malgré les difficultés au départ, parce qu'effectivement, sans moyens, sans loft, sans lieu dans lequel on peut habiter, c'est toujours difficile, mais grâce à Armand, je me suis bagarré, je suis arrivé à des résultats. 4 ans plus tard, je faisais une rétrospective à New York, dans un musée. Donc les résultats ont été assez rapides. Vous aviez déjà, je pense, une sorte de programme qui incluait même l'interruption du fer. Donc, et justement, en parlant de fer aussi, on dit souvent que les artistes américains, ils font puis ils réfléchissent. L'Européen, il réfléchit et puis après il fait, avec les qualités de chacun, puisque des fois on ferait mieux de pas le faire, mais des fois on réfléchit, on ferait mieux de faire. Donc voilà, il y a toute cette ambiguïté. Et vous arrivez avec un programme assez... quand même très, très, avec des concepts comme la monosémie par rapport à la polysémie ou l'art pansémique. Donc vous étiez quand même dans une réflexion à la fois très conceptuelle, etc. Est-ce qu'ils ont compris cela, ces artistes que vous rencontriez, qui sentaient cela, ou c'est vraiment une perception européenne de l'art par qui nous arrive là? C'est vrai qu'il y a dans ma manière de penser un côté très cartésien, très rationnel, tout à fait français, effectivement. Mais en même temps, je mettrai quelques bémols à ce que vous affirmez, c'est-à-dire que, vous savez, le processus de création, oui, on a des idées au départ, et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir, à analyser ce que l'on fait, mais en même temps, je vais vous dire, il y a une part d'intuition qui est colossale, parce que c'est ça, vous avez l'intuition et vous avez ces autres aspects, mais il y a aussi l'accident.
Très souvent, c'est par accident, c'est de manière absolument imprévisible que je découvre la possibilité de faire quelque chose. Et c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné. On verra des œuvres tout à l'heure qui en sont vraiment le témoignage. Mais aux États-Unis, je suis arrivé avec des idées et puis j'ai pris une gifle lorsque j'ai découvert l'art américain le plus pur, les meilleurs, les Sol LeWitt, les Judd, les Carl André, les Flevin. J'ai vu qu'ils étaient bien plus avancés que moi, mais j'ai été assez rapide à réagir. Et très vite, j'ai passé, disons, 2 mois à faire un travail qui était influencé par eux, avec des tubes qui étaient coupés en biseaux, jaunes, couleur industrielle. Mais très vite, j'ai eu cette idée de faire des plans. Et là, j'ai compris que j'allais passer dans une vitesse supérieure à partir du moment où j'allais montrer des informations plutôt que l'objet, des informations sur l'objet plutôt que l'objet lui-même. Et à ce moment-là, je suis parti dans ce que vous dites là, vous disiez tout à l'heure, ce concept de monosémie auquel je ne pensais pas à l'époque. Hein. C'est beaucoup plus tard que j'ai fait une analyse, lorsque je me suis arrêté, que j'ai vraiment essayé de réfléchir pour mettre avec des mots très précisément tout ce travail que j'avais produit et qui n'était pas évident aux yeux de tout le monde. Parce que montrer aux gens des textes scientifiques purs et simples, sans retouches, quelquefois même que je ne décidais pas, bien sûr, et qui étaient exposés sans que je les ai jamais vus, les gens ne comprenaient pas très bien tout ça. Mais je savais aussi que c'était dans une aventure très forte et périlleuse, on va dire aussi. C'est le seul moyen de s'en sortir quelquefois et d'aller un petit peu plus loin. Et d'ailleurs, votre pratique artistique a été nourrie, comme vous disiez, à la fois par cette relation à la science aussi, et cette relation aussi à la poésie. Je crois que vous éditez très récemment encore vos poésies, de la musique aussi. Comment ça s'articule pour vous? C'est très simple. D'abord, au départ, je voudrais juste être un artiste. Je ne dis pas que je suis un sculpteur, un peintre, un poète, quelqu'un qui fait des films, quelqu'un qui fait de la musique, qui a fait un ballet à l'Opéra de Paris aussi. Non, je suis un artiste qui explore, à partir d'un concept de base, une sorte de matrice conceptuelle, qui explore tout ce qui est possible de faire dans des disciplines diverses. Voilà. Et le même concept, c'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. En 61 et 63, entre les deux, je pouvais faire à la fois des tableaux tout noirs avec du goudron. Je faisais parallèlement à ça une sculpture qui était un tas de charbon, qui était noir aussi, qui n'avait pas de forme spécifique comme les tableaux n'avaient pas de composition. Je faisais parallèlement à ça une composition musicale qui était le son d'une brouette sur la route, comme ça, la répétition pendant un bon moment. Parallèlement à ça, je faisais un livre qui était entièrement noir, complètement noir, toutes les pages du livre étaient noires, et je faisais des performances où je me couchais dans les ordures, parce que je faisais aussi des tableaux qui étaient faits avec des détritus, des cartons en tout cas, qui étaient jetés aux poubelles. Donc tout ça, c'était un même travail. Au lieu d'avoir un style, vous voyez, ces artistes, je critique très fort, ces artistes qui un jour découvrent une manière de s'exprimer, et je citerai des gens comme Atlan et Polyakov qui mérite encore un peu de considération, mais ces gens qui un jour découvrent un style et qui l'exploitent tant qu'ils peuvent toute leur vie sans réfléchir davantage, convaincus peut-être, je trouve ça d'une naïveté terrible, qu'ils ont découvert enfin la solution à l'art, vous voyez, parce qu'autrement ils essaieraient autre chose. Mais non, ils répètent ce geste, cette même composition mille et mille fois. Non, moi je pense qu'il vaut mieux douter, se remettre en question. Il y a tellement de choses à créer, à inventer dans le futur. L'art ne fait que commencer. Il y a des concepts complètement nouveaux, des paramètres complètement différents qui vont donner des définitions de l'art. Donc pourquoi laisser faire les autres? Autant le faire nous-mêmes, voyez, et avancer constamment et se remettre en question. C'est pour ça que j'ai tellement de respect pour un artiste comme Frank Stella, dont on parlera tout à l'heure, qui sans arrêt se demande comment est-ce qu'il peut aller au-delà de lui-même. C'est formidable, c'est tout ce que j'admire. Vous étiez aussi professeur dans les grandes universités. Et est-ce que cette approche, la volonté de transmission qui a sous-tendu votre volonté de création de la Fondation aussi? Oui.
Vous faites un parallèle avec l'enseignement. C'est vrai que pour un artiste, parler à des étudiants d'autres artistes, c'est un petit peu, ça peut se faire, mais c'est assez paradoxal. Mais chez moi, il y a une admiration énorme pour tous ces artistes qui sont des géants, qui sont des très grands artistes, qui ont vraiment changé l'histoire de l'art. Je ne parle pas d'artistes qui décorent les murs des gens ou des hôtels. Non, je parle d'artistes qui ont vraiment marqué l'histoire. Et j'ai eu la chance de les fréquenter aux États-Unis. C'est pourquoi, lorsque je suis revenu en France, j'ai eu une période d'enseignement à la Sorbonne. Aujourd'hui, ce qui s'est produit au cours des années, c'est que, étant ami avec tous ces gens-là, de temps en temps, si j'avais un peu d'argent, eh bien, j'achetais une œuvre d'eux. Mais j'achetais une œuvre plutôt importante qu'une petite chose, vous voyez. Donc j'ai des Judd qui font 4 mètres et quelques de long, j'ai des Sol DeWitt qui sont très importants, des choses de Moverwell et tout ça. Je les fréquente, ce sont des amis, et c'est tellement extraordinaire d'avoir ça sur vos murs, vous voyez, pourquoi s'en priver? Aujourd'hui, ça a pris tellement d'importance, cette collection, qui n'était pas prévue comme une collection d'ailleurs, hein. C'est plutôt avoir des souvenirs de ces gens qui m'ont aidé souvent, hein, qui m'ont aidé à exposer avec eux. Je ne dirais pas conseiller, non, parce que j'étais dans une voie tellement différente après, mais qui m'ont soutenu en tout cas. Aujourd'hui, cette fondation, c'est un hommage à tous ces artistes que j'ai fréquentés à l'époque. C'est une histoire de famille. Vous savez, un artiste tout seul n'existe pas. Moi, si j'étais moi-même, mais né dans un pays où il n'y a aucun artiste qui existe, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Vous voyez, il faut avoir, c'est un contexte culturel qui vous permet de développer quelque chose, même si vous ne faites pas la même chose que si vous voulez au-delà, si vous voulez les dépasser. Mais c'est ce contexte culturel qui vous permet de faire des choses. Et donc, moi tout seul, je n'existe pas. J'existe, et eux non plus d'ailleurs, indépendamment, n'existent pas. Ils n'ont existé que parce qu'il y avait un groupe, une manière de penser, une manière de revoir, de se poser des questions sur la nature même de l'art. Un tableau tout seul n'a pas de sens. C'est comme un mot tout seul, isolé de tout, n'a pas de sens. Il a un petit sens qu'on trouve dans le dictionnaire. Mais ce mot placé dans une phrase et dans un paragraphe et dans un livre a un sens beaucoup plus riche. Et donc on ne doit pas sortir un mot comme on doit sortir une œuvre. On doit sortir un livre, on doit sortir une œuvre qui dure 50 ans. Autrement on n'a pas fait grand-chose. Et cette région du vin est à chaque fois plus attirante pour les amateurs d'art, avec la multiplication plusieurs des jardins de sculptures Perrasol, Lacoste, Mitterrand. Et vous-même avez été pionnier de ce mouvement d'installation dans cette région. Pourquoi le Muy pour votre fondation? Alors, le choix du Muy est très simple. D'abord, c'est parce qu'à un moment donné, c'était en 1989, au début de l'année ou quelque chose comme ça, je cherchais un endroit, mais un morceau de terrain juste pour poser mes sculptures, vous voyez, sans ambition aucune, hein, même pas avec une maison ou quoi que ce soit. Et puis un jour, j'ai rencontré Enrico Navarra, qui est quelqu'un qui habite ici depuis longtemps au Muy, qui est un collectionneur et marchand. Et je vois Enrico, je lui dis, ah, tu sais, je cherche quelque chose dans le sud. Il me dit, il n'y a qu'un endroit dans le sud de la France où il faut être, un seul. Je dis, où ça? Il me dit, le Muy. Et il me dit, lui-même était déjà donc installé au Muy. Et il me dit, et je lui dis, mais pourquoi le Muy? Et il me dit, très simple, 45 minutes de l'aéroport de Nice, 45 minutes de l'aéroport de Toulon et 45 minutes des plages de Saint-Tropez. Alors, écoutez, on a bien le droit de s'amuser un tout petit peu aussi. Hein. Et ça a été assez tentant, hein, pour dire la vérité. J'ai demandé à un de mes frères de venir ici, de s'installer pendant un mois. Il était plus âgé que moi, il était à la retraite. Et il s'était installé là, il a cherché toutes les propriétés ou tous les terrains à vendre dans la région. Et il a trouvé ce lieu formidable, qui n'était pas comme ça entre nous, qui était loin d'être comme ça. Si je vous montrais des photos, vous verriez que c'était plutôt rude, hein, à l'époque. C'était vraiment l'usine. L'usine était là, la configuration générale était comme ça. En tout cas, le Muy, effectivement, c'était l'endroit idéal, parce qu'on est aussi tout près de l'autoroute. On n'est pas obligé de rouler une heure et demie sur des petites routes avec des camions énormes pour moi, pour apporter mes sculptures. Ouais. Donc, écoutez, j'ai trouvé un lieu de rêve. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis ici, un lieu qui est plus favorable pour un artiste que celui-ci. Ouais. Vous parliez de cette communauté d'artistes, le fait d'être non seulement, donc il y a aussi les œuvres qui sont un mot, qui devient une phrase, qui devient un livre, il y a les artistes qui sont un mot, une phrase et un livre aussi, pour le dire comme vous l'indiquiez. Est-ce que vous pensez que maintenant, avec le terme du marché qui a pris des dimensions assez particulières, vous sentez que dans ce milieu-là, maintenant, c'est plus ce moment de communauté, c'est une sorte plus d'opposition, ou est-ce que ça reste comme ça, comme moi je connais un peu ça aussi à certains moments,
où c'était aussi un village, je veux dire. C'était, oui. Avec les problèmes du village, oh, tu as vu celui-là, c'était chouette, mais on sentait aussi qu'on était dans une sorte de village qui était le centre du monde artistique, mais c'est quand même, j'ai eu un peu l'occasion de vivre là aussi. Vous pensez que les termes ont changé par cette valeur grand argent qui est arrivée dans l'art, ou que les tensions, que la relation des artistes a changé? Les artistes font des échanges quand ils sont très jeunes, parce que leur travail ne vaut rien, leurs œuvres ne valent rien, et ils ne sont pas encore connus, et à ce moment-là, ben, on est bien content d'avoir une œuvre de soi chez quelqu'un d'autre, plutôt que toujours dans l'atelier, vous voyez, parce que si quelqu'un passe là-bas, on verra. Et puis aussi l'idée d'être apprécié, enfin, par un autre artiste, oui, même. Au début, je vais vous dire, on essaie de convaincre que les copains artistes, hein. C'est très limité. Puis après, le copain artiste qui connaît peut-être une critique d'art ou un critique, c'est formidable s'il voit ce que je fais. Ça commence comme ça, très doucement. Aujourd'hui, c'est un petit peu toujours la même chose. Vous savez, simplement, il n'y a pas de doute que j'imagine mal Jeff Koons faire un échange facilement avec un autre artiste. Mmh. Il va plutôt vendre et acheter un autre artiste. Et puis voilà. Je suis sûr que Damien Hirst, qui a des œuvres de Jeff Koons, peut-être qu'ils ont fait un échange il y a 20 ans, mais aujourd'hui, si Damien Hirst veut un Jeff Koons, il va se le payer, et puis Jeff Koons fera la même chose, voyez, moi, je continue à faire des échanges, hein, avec Larry Bell, par exemple, avec Armand, bien sûr, avec qui j'ai dans la collection ici, avec qui j'ai fait des échanges. Ou alors, j'échange avec des marchands qui veulent des œuvres de moi, que je ne veux normalement pas vendre, mais quand tout à coup, ils me montrent une œuvre qui m'intéresse. Mais il y a un moment où, dès que les œuvres valent très cher, il n'y a plus d'échanges qui se font, plus tellement. Ou alors, il faut être vraiment très proche. Et là, Larry Bell, c'est un cas. Vous verrez 3 cubes de Larry Bell là-bas. Il était ici en vacances il y a 2 ans. On a décidé de faire un échange et on l'a fait. Mais ça devient un peu exceptionnel. C'est toujours possible aussi. Mais le problème que j'ai, moi, c'est que je veux des chefs-d'œuvre. Et les artistes ne donnent pas leurs chefs-d'œuvre. Vous voyez, les pièces majeures. Donc, soit on les achète, soit on les a par des marchands, soit l'artiste peut vous faire une chose, il peut aussi vous dire, écoute, voilà le plan, réalise l'œuvre, tu la fais réaliser, tu payes les frais et tout, puis tu me donnes une œuvre, voilà. D'accord. Ça, c'est possible, okay. Oui. Voilà. Mais prendre une pièce majeure et la donner à un autre artiste, c'est rare. Oui. Mm-hmm. Vous présentez cet été une exposition de l'œuvre de Fred Sontag. Pourquoi ce choix en particulier? Alors, d'abord, la plupart du temps, les artistes qu'on expose, ce sont des artistes que j'ai connus. Hein. Mais ce n'est pas une règle absolue. On fait surtout les artistes que l'on aime et que l'on pense très importants. Et aussi, quelquefois, parce qu'ils ne sont pas assez montrés en France, par exemple. Et c'est le cas de Sandbach. Sandbach, je le connais depuis le début des années 60, enfin le milieu des années 60. Et on ne s'est pas toujours vu comme ça. On a eu une relation amicale, mais on s'est retrouvés à la fin de sa vie encore. Il est venu chez moi pour une partie. Et voilà. Mais quand on a senti la possibilité de faire une exposition de Sandbach, parce qu'on connaît très bien sa femme Amy, on a sauté sur l'occasion, c'était formidable. On voulait faire un geste très dur, très radical. C'est un petit peu ce qui caractérise nos expositions de la Fondation, hein, de faire des gestes très purs comme ça. Après l'art minimal, après Tingley, avec une grande pièce énorme, très difficile, après James Turrell, Sandbach, c'était parfait, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Au niveau des expositions, chaque année, c'est sûr qu'une fois par an, on aura un vernissage avec une exposition assez radicale comme ça, ça c'est sûr. Changer les sculptures, les faire bouger beaucoup, je ne suis pas sûr que d'ici l'année prochaine, ça va beaucoup changer, sauf que comme je viens d'acquérir ce nouveau terrain, je risque d'avoir une surprise assez colossale pour l'année prochaine, mais c'est tellement colossal que pour une fois, je me dis que peut-être ça risque de prendre 2 ans. C'est vraiment ambitieux ce que je veux faire là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir ici ou là, parce que là, je peux faire ça assez rapidement. Et ce n'est pas très clair non plus dans ma tête, parce que ça va être quelque chose de très, très, très permanent. Ça sera tellement grand que c'est une chose qui va rester. Mais en tout cas, le programme, notre activité, c'est ça. C'est d'améliorer constamment le lieu de la Fondation et de faire une exposition chaque année nouvelle. Parce que je voulais simplement insister sur la générosité de M. Venet, parce que moi, quand j'étais étudiant, j'avais 22 ans, j'étais à l'université aux Beaux-Arts, et j'étais à New York, et j'ai pu
Après qu'on s'était rencontrés dans une partie, comme on disait, avec un public extrêmement passionnant, et j'ai pu être accueilli dans son atelier le samedi, qui était le jour où, où monsieur venait recevoir les personnes. Et il a pris le temps de m'expliquer un peu la structuration, comment fonctionnait le milieu de l'art, et ceci, cela. Et c'était une rencontre qui était fort marquante pour moi. Je voulais le remercier qu'à mon temps après. Ah oui, ah oui. 22 ans vous aviez, incroyable. Oui, j'avais 22 ans. Fabuleux, mais ça. Oui, oui. 22 ans, c'est le moment où on a la foi et on sait où on veut aller. Je pense bien, vous m'avez montré des tableaux qui étaient peu vus et vous m'avez expliqué beaucoup de choses. J'ai partagé le thé dans un loft où les enfants roulaient à vélo. Ah oui, bien sûr. Oh là là, je revois les images là. Voilà. Oui, le samedi après-midi, effectivement, les gens venaient tous voir les galeries. Et comme j'étais en plein Soho, West Broadway, Spring Street, je disais, bon, ben, vous passez après les galeries, on se retrouvait tous comme ça. Voilà. Ah, sympathique.